Bonjour. 27 août 2022. Je suis parti pour une promenade de normalement quelques dizaines de kilomètres. Plein sud. Normalement, je devrais aller du côté d'Issoire. Voilà, donc la température actuelle est de 13-14 degrés, donc c'est bien. Celle-ci va tout simplement doubler dans la journée. Mais bon, nous sommes en été, donc normal. Je vais donc tout simplement commencer à sortir de l'Ande. Je vais longer la voie express menant à Clermont, direction donc plus ou moins, on va dire, Beaulieu. Et d'une certaine façon, la pointe de Cournon, voilà. Donc voilà, il n'est pas tout à fait 8 heures. Donc tout va bien pour l'instant, bien sûr. Donc à tout à l'heure, forcément, un peu plus loin, voilà. Donc c'est parti. J'espère que la journée sera bonne. Ça peut le faire. Voilà, je sors de l'Inde. Donc là, ça va. Et à lapin, hein.
La chaîne des Noms est encore embrumée, d'après ce que je vois. Et donc forcément, le Puy-de-Dôme sera invisible pour l'instant, bien sûr. Évidemment, on pourrait croire qu'il va faire mauvais. Normalement, oui. Les centres météo se trompent des fois. Non, je rigole. En fait, non, il va faire beau. Mais comme dirait l'autre, hein, le doute m'habite. Hein, parce que... Je les ai vus plus clair, on va dire, les montagnes. Ah ouais, il faut que je passe par le bout de déchetterie à ciel ouvert. Là, c'est magnifique. Ah, putain, c'est dégueulasse. Oh là là, c'est une catastrophe là. Voilà, il est environ 8h20. À ma droite, le Zénith et la Grande Halle. D'ailleurs, je peux apercevoir les préparatifs pour la foire de Clermont-Cournon. Foire internationale, je crois, d'ailleurs. Donc voilà, je vais petit à petit quitter ce milieu, on va dire, industriel, artisanal. Pour normalement rouler dans un terrain beaucoup plus agréable, beaucoup plus sympa. Un petit mot sur le temps, donc ça s'est pas découvert encore. C'est-à-dire que ce matin j'ai vu un petit peu de soleil, puis du coup il est passé derrière les nuages. Mais cela présage d'une journée chaude lorsque le dit soleil va réapparaître, je pense. Ça risque d'être assez particulier, on va dire. Voilà, donc là je vais me diriger sur un chemin d'exploitation. Ah bah c'est pas là que je voulais aller, mais c'est pareil, c'est pas grave. On va faire comme ça. Hein.
Voilà. J'aurais dû prendre le rond-point. Allez, à tout à l'heure.